bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer la totale en gaufrage à la chaleur. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu... ça a été de me pousser en dehors de ma zone de confort parce que je voulais essayer de marier trois métalliques ensemble. C'est pas facile dans le sens que, je vais vous le montrer dans le fond avec les métalliques ici. J'avais un projet en tête avec les feuilles métalliques, mais j'avais oublié que j'ai oublié de commander la feuille métallique cuivrée. Donc, si on regarde les métalliques, c'est pas très facile à l'écran hein, de regarder ça. Il y a beaucoup de jaune dans le doré. Il y a du gris, reflet blanc, en tout cas, des fois même un peu de bleu dans du argenté. Et d'aller marier avec ça du cuivré, c'est comme, oh là là, faut aller doser le tout. Alors, j'ai décidé d'y aller en gaufrage à la chaleur pour vous proposer un mariage comme ça ici. C'est comme la carte que vous ne ferez pas en 50 exemplaires, je vous le dis là. Et ce qui aurait peut-être été joli, c'est que dans le jeu ici, il y a une petite fleur de poinsettia. J'aurais pu l'ajouter... une petite fleur ou trois fleurs dans le cuivré, ça aurait été très joli. Mais je trouvais que déjà, il y en avait beaucoup. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Ici, le jeu. Pardon, le jeu Magnifique Couronne, qui est revenu dans le catalogue annuel parce qu'il a fait fureur l'année passée. Et vous avez même les framelits qui sont assortis pour aller couper la couronne. On va s'en servir tout à l'heure. Ensuite, ça c'est ma pièce principale. J'ai décidé pour l'arrière-plan d'aller imiter comme peut-être une porte ou un mur en bois, donc hardwood. Et puis, j'ai été chercher la bannière avec banderole pour vous. Et j'ai coupé avec les framelits. Et puis, le vœu. J'ai été chercher seulement la partie d'en haut de Bénédiction de Noël, qui est du jeu Le Miracle de Noël, mais vous pourriez varier avec tellement d'autres choses. Alors, sans plus tarder, on va commencer. C'est facile, mais je vais faire la plupart des étapes devant vous parce que je trouve ça important de vous partager mes trucs. Alors, ici, ça va aller sur la base de carton, donc j'ai enlevé un 8 tout le tour, ça veut dire que ça donne 4 pouces par 5 pouces et quart. S'il vous plaît, les Françaises, allez chercher un convertisseur. Il y en a une tonne sur Internet pour convertir en centimètres. Je me fais souvent demander les dimensions. J'ai pas le temps de transférer en centimètres, donc j'apprécie beaucoup vos questions, mais je peux pas répondre à toutes ces dimensions-là, tous ces détails-là. Donc ici, je prends mon Versamark et j'en mets amplement sur mon étampe d'arrière-plan. Je n'oublie pas, et c'est un must, l'embossing body ici, qui va enlever la statique pendant les trois étapes de gaufrage, parce qu'il y en a trois, ok? Donc ici, je place dessus. Oui, je pourrais tourner puis presser fort, fort, mais tu sais, des fois... ça va plus facile comme ça, je trouve. Je m'arrache pas les poignets. Celles qui ont des douleurs comme moi au poignet, ça va peut-être mieux comme ça. Si vous aviez le vieux, c'est un produit qui n'est plus vendu par Stampin' Up, vous pouvez vous en servir également pour aller faire une belle impression comme celle-là. Alors, je vais aller saupoudrer de poudre cuivrée. Et vous pourriez faire, moi je vous encourage, vous allez en faire plus qu'une à la fois, de vraiment travailler à la chaîne. Vous auriez pu faire dans le fond une que le bois est cuivré, une que le bois est plus doré et une argentée. Et varier, ça aurait été de toute beauté. Moi j'y étais avec ce que je croyais qui était le mieux. Alors, ça dépend beaucoup des goûts. Ici, vous remarquerez que j'ai procédé avec... une base brune d'une. Pourquoi? En fait, j'ai décidé de vous faire suivre le processus que j'ai parcouru quand j'ai fait cette carte-là. Et j'étais partie comme ça. Ça n'a pas fini comme ça, mais je vais vous montrer pourquoi.
Alors, vous allez avoir beaucoup de gaufrage à faire. Regardez si c'est beau. Dans le fond, si on compare, on voit que c'est beaucoup plus pâle. Vous pourriez parfaitement aller poser votre couronne ici sur le fond sans y toucher. Mais quand je le plaçais, il aurait peut-être fallu que je fasse les contours à l'éponge en couleur café pour faire ressortir la couronne parce que je trouvais que ça ressortait pas assez, mais ça ferait une carte beaucoup plus douce. Donc, si vous aimez ça, allez-y avec une carte plus douce, faites vos essais. Et là, on va venir ancrer. Pour ma part, j'y vais en couleur café. Je trouvais que ça allait atténuer le tout en faisant beaucoup plus foncé, en faire sortir le gaufrage. Vous pourriez aller de façon plus foncée sur les contours et plus pâle au centre. Finalement, moi, j'y vais quand même assez égal partout. Oui, vous allez forcément en avoir sur vos doigts. Voilà. Il est important d'essuyer le gaufrage, sinon vous allez tâcher plus tard. Donc, un chiffon, un mouchoir, un papier essuie-tout. Voilà. Alors, prochaine étape, on va aller travailler notre couronne. Et elle est facile, vous allez dire comment ça se fait que toi, tu nous expliques ça, on sait comment ça marche, et oui. Mais Stampin' Up! A vraiment planifié de faire ce jeu des tempes-là et les framelits ou tinlits, là je me mélange tout le temps, pour qu'il soit facile à utiliser. Et ce jeu des tempes, dans le fond, la couronne, elle est trois étapes, si on veut. Alors, je pars de mon brune dune. Et puis, bon, là, c'est le fouillis, je m'excuse, j'en ai un peu partout. J'ai besoin de ma boucle. Alors, ici, vous avez la petite languette qui indique le haut. Alors, c'est important de la respecter. On passe l'embossing body et on le laisse à côté pour ne pas l'oublier parce que les prochaines étapes, on va en avoir besoin. Oups, j'avais pas pressé mon étampe. Vous savez, si vos étampes en résine ne tiennent plus sur votre bloc, vous les nettoyez à l'eau savonneuse, vous les laissez sécher et elles vont reprendre leur adhérence. Donc, si j'ai parti ma première couronne avec la petite languette en haut, l'autre étampe, je vais la placer aussi vers le haut et la troisième également. Et là, je me rends compte que j'ai pas utilisé la deuxième. Je suis sautée aux petites... aux petites décorations, les petites baies. Donc, ici, on y va en doré. C'est très beau le doré sur le brune dune. Moi, brune dune, là, c'est une des couleurs que je me suis le plus servie en 11 ans. C'est un passe-partout qui fait différent du blanc, du vanille. Oups! Bon. Peu de gaspillage. Je chauffe. Là, je veux que ma couronne refroidisse bien pendant parce que je vais aller tamper par-dessus. Alors, pendant ce temps-là, je vais ancrer la boucle ici. Je fais attention de saupoudrer et qu'il n'y en ait pas sur la couronne parce que vu qu'elle est encore chaude, ça collerait dessus. Elle n'est pas parfaitement remplie, mais j'aime ça comme ça. Donc, je chauffe en faisant attention de ne pas chauffer ma couronne. Idéalement, ça serait peut-être de le faire sur deux cartons séparément, donc vous n'auriez pas de problème. Ensuite, elle est encore un peu chaude. Ça refroidit quand même assez rapidement. Embossing body obligatoire. Je fais même sortir de la poudre. Donc, on vient poser les petites baies. Peu importe où. Et
et on vient saupoudrer de poudre argent. Ensuite de ça, je vous donne le petit truc pour découper. Et on va être prête à monter la carte. Ça aurait été beau d'aller faire... on a une autre étape. C'est la deuxième étape que je vous dis que j'ai sauté. C'est pour aller mettre des feuilles de d'autres couleurs. Aller surligner un peu certaines feuilles. Sauf que je me disais, là, ça va peut-être être trop de gaufrage en même temps. Donc, j'ai essayé de limiter. Ça va être beau comme ça. Donc, ce qui est important que vous compreniez dans mon intention dans ce projet-là, c'était d'aller tempérer un peu. J'ai tempéré avec mon couleur café. Comme je vous ai dit, vous auriez pu laisser le fond brune dune, ça aurait donné une carte vraiment beaucoup plus douce. Mais c'est important, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche, d'aller tempérer avec d'autres choses. Comme ici, en n'allant pas plaquer un carton, j'ai été chercher du vélin cartonné. Ça permet d'aller aussi en douceur, en transparence avec ça ici. Donc, on est rendu à couper. Je prends ma Big Shot, la plateforme magnétique. Idéalement, on ne prend pas des plaques qui sont rendues courbées comme les miennes. C'est pas l'idéal. Et puis, on va aller chercher les framelits que j'avais serrés. Ah, c'est tout à l'envers. Habituellement, je les mets sur des plaques aimanté pour moins les abîmer, les retrouver plus facilement. Donc, vous avez des beaux mots ici. Les petits points sétillants, ça, c'est si on veut accrocher la couronne après la porte, on peut placer cette pièce-là. Et puis, on a joie et Noël. C'est de toute beauté quand vous coupez ces mots-là. Ça fait des beaux accents sur vos cartes de Noël. Donc, ici, on retrouve sur notre couronne les fameux petits rabats. Et là, il faut se souvenir, j'étais dans quel sens? J'étais dans ce sens-là. Et regardez, quand je mets en haut, je tombe pile. Et la même chose ici, c'est vraiment fait pour aller évider le centre de la couronne. Et moi, vu que mes plaques sont vieilles, là, ça fait le rond, donc c'est porté à bouger un peu, mais habituellement, avec la plateforme magnétique, ça ne bouge pas. Donc, délicatement... C'est sûr que c'est pas obligatoire, mais couper tout le tour de la couronne et couper, enlever le centre, on avoue qu'on n'en ferait pas très souvent si on n'avait pas les framelits, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu, je pense, un must. Regardez comme c'est beau. Et comme je vous ai dit tantôt, vous auriez le choix d'aller mettre un petit peu de... J'en ai pas mis pour l'autre, là. J'essaie juste ça devant vous, aller faire un petit ressortir, mais ça, c'est plus si vous avez laissé votre fond avec le brune dune et pas le couleur café, parce que là, ça ressortira plus du tout si on vient trop mettre de couleur café, vous voyez? Donc, j'aime bien les nouvelles bandes adhésives. La nouvelle, dans le fond, c'est qu'elle est plus profonde que les dimensionneurs qu'on utilise habituellement. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un beau produit intéressant. Vous avez 9 mètres en tout là-dedans. Et ma petite boucle qui va ressortir encore plus parce qu'elle va être en dimension sur ce qui est déjà en dimension. Donc, ce que je n'ai pas fait, dans le fond, je n'ai pas fait d'enveloppe assortie. Mais ça serait de toute beauté, dans le fond, si vous alliez gaufrer pendant que vous faites ça, couper une pièce plus grande, puis vous faites à part, dans le fond, un petit bout de métallique. Allez coller ça sur une enveloppe brune dune, ne serait-ce que juste avec le petit point sétia en doré, ça serait de toute beauté. Alors, je décale un peu vers le haut. C'est mon choix. Mais vous pourriez, bon, faire ce que vous voulez. Ici... Ça aurait été très joli qu'on mette la boucle ici. On voit souvent ça. Mais là, mon vœu, il faudrait que je joue avec. Voyez-vous? Et dans le fond, je trouvais ça tellement une bonne idée de mettre la banderole. Tiens, on va faire changement. Vous allez avoir une photo de chacune. Un tout petit point de Coltombo.
pour pas que ça apparaisse en arrière du vélin. Inquiétez-vous pas, ça n'apparaîtra pas. C'est une colle qui est géniale. Un petit peu en biais. Et voilà. C'est sûr que le modèle ici, avec la boucle en haut, ça remplit moins notre zone ici. Pardon. Si on compare avec celui-là, je trouve que c'est plus balancé d'avoir mis la boucle en bas. Mais je vous le laisse pour vous montrer, OK, la variante. Alors, j'espère que vous avez aimé mes trucs. Et puis, dans le fond, je pense que c'est pas mal gaufrage au maximum qu'on va l'appeler celle-là, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, vous pouvez varier, hein? Allez-y, vous auriez pu aller jouer avec le gris souris, qui aurait pu être très beau, plus moderne dans le fond, puis qui irait chercher le argenté ici. Alors bref, amusez-vous, bonne journée!